Dans votre précédent disque, Boucan d'enfer, vous chantiez Manhattan Kaboul, Petit PD. Ici, vous chantez Petite fille slave, Hyper Kacher. Paradoxalement, vous chantez également, justement, on en parle, La vie, c'est moche et c'est trop court. Moi, c'est ma préférée. Ah bon? Oui, bah, je suis très mélancolique, donc j'imagine que c'est pour ça. Moi, je trouve qu'elle est mal chantée et un ton trop bas et j'aurais pu faire mieux. On pourra la chanter plus haut sur scène, oui, peut-être. Bien sûr. On y convient. Est-ce qu'il y a des raisons d'être optimiste? À l'heure actuelle? Pas beaucoup, non? Pas beaucoup. Après les attentats de Paris, de Charlie Hebdo, du Bataclan, du petit Cambodge, de l'Hyper Kacher à porte de Saint-Mandé. Après les attentats bruxellois qui ont endeuillé la Belgique le 22 mars dernier, il n'y a pas de vraie raison d'être vraiment heureux. Enfin, on est heureux parce qu'on est vivant. Oui, c'est ça. Mais on vit tellement mal, c'est. Ces actes de barbarie, l'impression d'être en guerre, quoi, en perpétuel. Est-ce qu'il y a quand même de la lumière? Est-ce que voir grandir Malone, par exemple, la lumière, c'est les enfants. Ce serait Malone, la lumière, même s'il vit dans un nuage noir. Ah, il vit sur un beau nuage. Il m'en a voulu pendant 10 ans d'être un fantôme dans la maison. Il ne voulait pas m'embrasser le soir quand je couchais. Tu sens la bière, me disait-il, même quand je n'avais bu que du pastis. Et il ne me tenait jamais la main, on ne jouait jamais ensemble. J'ai passé les 10 premières années de sa vie à côté de son enfance. Mais je ne raterai pas son adolescence, parce que maintenant, c'est un vrai petit génie. Il joue de la batterie, il joue du piano, il fait de la poterie, il écrit des chansons. J'ai inscrit à SACEM pour le jour où il sera sociétaire. C'est sûr. Officiel de la SACEM dès qu'il aura une chanson enregistrée. Mais sa maman le protège très bien et le protège des fans, des médias. C'est ce qu'il faut faire. Ouais. Et c'est ma petite fille Héloïse qui m'a inspiré une jolie chanson. Vous êtes grand-père. Qu'on a co-écrite. Si je suis grand-père. Si jeune, quand même 63 balais. C'est jeune. Et c'est une chanson que j'ai co-écrite avec, au niveau des paroles avec Renaud Russe, qui a par ailleurs 3 musiques sur cet album. Elle est très belle, cette chanson. J'adore discuter avec toi, Renaud, mais ne bouge pas. On va écouter un petit titre, on revient tout de suite.